C'est l'histoire des trois petits cochons, des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'est l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois des trois petits cochons avaient trois petites maisons, tous en rang, tous en rang. Les trois petits cochons avaient trois petites maisons. Il était une fois. Ma maison est en paille, ma maison en bâton, et ma maison est faite de briques. Aïe! Dit le loup, petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui? Maintenant, je vais souffler, 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 souffler. Maintenant, je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Oh oui. Maintenant, je vais souffler, 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 souffler. Maintenant, je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui? Oui. Maintenant, je vais souffler, 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 souffler. Maintenant, je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Bonne chance avec ça. Tu peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Dit le policier. Tu ne peux pas faire ça. Non, 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 non. C'était l'histoire des trois petits cochons, des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'était l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. 3 ours grizzly dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud! Cogne papa ours, allons-nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'or a trouvé leur maison dans la forêt. Toc, 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 pas de réponse. Alors Boucle d'or entre dans la cuisine. C'est bon. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froid. La bouillie de bébé ours juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Après que Boucle d'or ait eu sa dose, elle se sentait paresseuse. Dans le salon, elle aperçut des chaises de 3 tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'or s'est dit qu'elle allait essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut, juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'or monta à
l'étage, elle vit trois jolies dans lesquelles elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut, juste qu'il faut. Boucle d'or s'est endormie. Trois ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils entrèrent tous, si sûrs qu'ils étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Grogne papa. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Pleure bébé. Ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon. Et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Grogne papa. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dis maman. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Pleure bébé. À l'étage, dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit. Grogne papa. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dis maman. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Pleure bébé. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle est là. Boucle d'or se réveilla et vit trois ours qui la regardaient. Elle a crié. Ah! Sautée hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. Bas des escaliers à travers la porte. Boucle d'or est partie pour toujours. Nos trois ours se grattent la tête. Préparent la chaise et font leur lit. Et s'assirent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des trois ours. Yeah! Du lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. La souris se faufilait dans les bois et a réveillé le lion. En colère, il attrapait la souris. Elle était effrayée et pleurait. Elle dit, si tu me laisses partir, je t'aiderai un jour, tu verras. Quand tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion dit, hey petite chose, que peux-tu faire pour moi? Je vais te dire, ah, tu m'as fait rire. Alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traqua sa proie. Mais sur le chemin du retour, il tomba dans un piège. Il fut capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. La petite souris entend rugir le lion et s'est rendue sur les lieux. Elle a rongé la corde, libéré le lion et dit, maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu, j'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Sans toi avec moi, je ne serai pas là. Huggy, est-ce que tu viens de prendre la pomme de Huggy? Non. Hé, hey, ma pomme a disparu. C'est pas moi. Eh bien, Buggy, qu'est-ce que c'est?
Je pense que c'est le bon moment pour te raconter une histoire, Buggy. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons, le garçon le plus fou que vous avez jamais vu. Un jour ensoleillé, qui sait pourquoi, il pensait pour s'amuser dire des mensonges. Le garçon cria: Loup, viens, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. En haut de la colline, un fermier est venu pour chasser ce loup à nouveau. Il n'y avait pas de loup, mais pas un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: Regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. D'accord, je promets. Le jour suivant, à 10h30, le garçon fou crie le loup encore. En haut de la colline, le fermier revient chasser le loup encore une fois. Il n'y avait pas de loup, pas même un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: Regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. Ok, je promets. Mais ce même jour, à 2h15, un grand méchant loup est apparu. Le loup s'est glissé à pattes velours pour effrayer le garçon et voler les moutons. Le garçon cria: Loup, viens, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. Loup, 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 c'est pas un jeu, venez maintenant. Mais personne n'est venu. Le garçon stupide tremblait de peur. Ce loup volait tous les moutons. Le petit garçon était très triste car il savait qu'il avait menti. Il décida qu'à partir de maintenant, je ne mentirai plus jamais. La chose la plus importante à faire, c'est toujours, toujours dire la vérité. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Jacques, qui vivait avec sa maman dans une vieille cabane. Jacques demande à sa maman: Pourquoi on est pauvre? Un géant est venu et a défoncé notre porte. Il a volé tout ce que nous avions, nous avions. Il a volé tout ce que nous avions. Jacques, nous devons vendre notre vache. Au marché, tu ferais mieux d'y aller maintenant. Alors Jacques a pris la vache et a marché sur la route, où il a rencontré un homme tirant une lourde charge. C'est une magnifique vache. Il a dit c'est une magnifique vache. Il a dit: J'achète ta vache pour des haricots magiques, les plus beaux haricots que tu n'aies jamais vus. Marché conclu. Jacques courut à la maison quand maman a vu les haricots et l'a grogné. Par la fenêtre, ils ont volé, volé. Par la fenêtre, ils ont volé. Dès que les haricots se sont posés sur le sol, ils ont commencé à faire un bruit étrange. De la terre, une tige de haricots a poussé jusqu'au nuage et ensuite à travers. Jacques ensuite a grimpé, a grimpé. Jacques ensuite a grimpé. À travers le ciel, Jacques était déjà si haut. Il est arrivé à une porte son. Un panneau disait: Interdit aux enfants. Jacques est passé à travers, à travers. Jacques est passé à travers. Dans un château, cette porte son menait au bout du couloir. Le jeune Jacques file. Il a trouvé une énorme pièce. Il entendit un bruit effrayant. Les pas d'un géant. Bon, bon, bon. Les pas d'un géant. Bon. Fi-fi-fo-fum. Je sens l'odeur d'un garçon pardieu. Le méchant géant a hurlé et hurlé. Et Jacques est sorti de cette pièce en volant. Il est reparti d'où il est venu, venu. Il est reparti d'où il est venu. Le géant a couru
Il a poursuivi Jack dans tous les sens. Et quand soudain, hip hip hourra, Gigi Noah arrive pour sauver la journée. Ils ont gelé ce géant comme une pierre, une pierre. Ils ont gelé ce géant comme une pierre. Jusqu'à l'haricot magique, Jack courut si vite. Et il a trouvé un sac d'or. Lors de sa maman, le géant a volé. Il y a tant d'années avant. En bas de la tige, Jack a volé, a volé. En bas de la tige, Jack a volé. Il a attrapé une hache quand il touche à le sol. Hache, 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 cette tige est tombée. Maman, on est riche, il dit à sa maman. Et Jack lui donna le sac d'or. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.